Je m'appelle Léone Drapeau, je suis diplômée en 2015 et je suis architecte et je travaille en parallèle de ça chez Perspective Brussels. Je crois que j'ai voulu être architecte parce que j'ai vu là-dedans une manière d'agir sur le monde, de construire le monde, d'impacter la société dans laquelle je vivais. Et pour moi, c'était une manière de contribuer. Je dirais qu'il y en a deux. Le premier, c'est l'atelier, évidemment. Et en particulier, pour moi, ça a été Micromégalab avec Eve Depré et Alain Simon. Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, c'est parce que, selon moi, donc c'est un atelier qui traverse toutes les échelles, depuis l'échelle métropolitaine jusqu'à l'échelle ultra-locale du détail, en passant par toutes les phases intermédiaires. Il y a une forte focale sur la connaissance du territoire sur lequel on intervient, ce que je trouve primordial. Et il y a aussi le fait que cet atelier s'intéresse particulièrement à comme sujet les grandes aires métropolitaines globales. Et pour moi, c'est important et intéressant de prendre comme focale des villes que l'on ne connaît pas nécessairement dans d'autres endroits du monde, et que c'est aussi là que le monde se construit, en fait. Et le deuxième, ce serait l'exercice de mémoire, parce que pour moi, ça a été vraiment le moment où j'ai pu me positionner éthiquement, moralement, intellectuellement, et le travail que j'ai, disons, commencé au moment du mémoire, c'est vraiment une thématique que je continue d'explorer, que je continue dans laquelle je continue de chercher, et donc c'était formateur là-dedans. Mon mémoire, c'était sur les utopies féministes. Donc je suis partie, à la base, j'étais partie à la recherche de comment est-ce qu'on peut, en tant que féministe, construire le monde, comment est-ce qu'on peut être une architecte féministe, ça veut dire quoi, et qu'est-ce que c'est une architecture féministe. Ben, je pense que la première chose, ce serait, et la chose la plus importante, en fait, c'est de bien être conscient que l'architecture, c'est un geste politique. On ne peut pas poser un acte sur le monde qui a des implications sur la manière dont il est conçu, construit, vécu. Ça, c'est primordial de comprendre que c'est engagé. Et on ne peut pas ne pas être un architecte engagé. On l'est par défaut. Lorsque j'étais diplômée, j'ai d'abord travaillé pendant un an en Belgique, dans deux différents bureaux, architecture et urbanisme, pour me faire un peu les armes, comprendre un peu le milieu. Mais ensuite, ça a été très important pour moi de voyager, de partir, de voir le monde, enfin, je l'expliquais aussi tout à l'heure. Et donc, je suis allée habiter pendant un an en Chine, où là, j'ai travaillé dans un bureau chinois qui s'appelle Standard Architecture, qui pose des actes sur, qui est vraiment en train de qualifier qu'est-ce que comment peut se définir une architecture chinoise. Donc ils ont la volonté de revendiquer un style ou un genre, ou en tout cas une manière de faire l'architecture. Et à la suite de ça, je suis revenue en Europe, mais Bruxelles a semblé un peu petite du coup au retour de Pékin. Donc je suis allée pendant 2 ans à Paris, où là j'ai travaillé dans différentes agences, pareil architecture et urbanisme. Et ça fait un an que je suis de retour à Bruxelles, où je travaille donc chez Perspective Bruxelles, qui est donc le secteur public. C'est l'organe de conception de stratégie territoriale. Et en parallèle de ça, je suis aussi toujours architecte à mon propre compte, entre guillemets, chez Trompe Nouvelle, qui est le bureau que j'ai cofondé. Moi, je recommande toujours la lecture. Et je recommande toujours la lecture de fiction, parce que je trouve que c'est une manière de voyager de par le monde, c'est une manière de vivre d'autres vies. Et je recommande aussi toujours la science-fiction et notamment les utopies, parce que c'est fascinant de voir les efforts qui ont été faits pour qualifier quelque chose d'optimiste, d'engageant, d'enthousiaste, sans nécessairement être naïf ou niais. Hein. Ça peut être assez dur et assez critique, mais c'est important de savoir lire le monde dans lequel on se trouve pour pouvoir le corriger. Et je pense que l'utopie et la fiction permettent de donner des clés pour ça. Je lui souhaite de continuer à former des esprits critiques, des gens qui savent poser des questions, qui se réjouissent de poser des questions et qui se réjouissent aussi d'y répondre. Je lui souhaite de réussir à communiquer à tous ces futurs architectes l'ampleur de leur rôle, sans prétention, mais en ayant connaissance de l'impact des gestes qu'ils et elles vont poser. Et de se rendre compte aussi que c'est un métier qui est fondamentalement beau, parce qu'il est aussi au service de la société, au service des hommes et des femmes qui la composent, et que c'est une grande responsabilité.